Et yo tout le monde, c'est GamerCash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nerium. C'est parti les amis. Du coup, pour commencer, je vais vous présenter mes homes. Ensuite, je vous mettrai quelques clips PVP, etc. Pillage, etc. Et on fera un petit concours à la fin de la vidéo, bien tranquille. Si ça vous convient, bah c'est parti. Du coup, comme vous pouvez le voir, ici, la ferme de la faction, enfin plutôt, de certains membres de la faction. C'est avec ça qu'on XP le nez à passe, etc. Ça va assez vite, on va pas se mentir. Ensuite, notre ferme à Pastèque, pour débuter, etc. Vous voyez, parce qu'il faut avoir la woofarmer pour commencer. On avait une petite farm comme ça. Ensuite, ma BP. Du coup, voilà à quoi elle ressemble. Perso, je la trouve assez stylée, moi. On a un étage supérieur, on a masse coffre et tout, rempli de potions et tout ça. Et un coffre où on a des, et un coffre où on a des fulema. Dans mon EC, il y a ceci. Du coup, il y a des fulématites. Ici, il y en a un aussi en plus ici que je voudrais ranger d'ailleurs. Des box, etc. Une Hades, Je fais un peu le tour, je vous lis pas les enchantements, vous pouvez très bien les lire vous-même. Aussi les gars, j'aimerais qu'on parle de l'XP sur le serveur. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça c'est trop dur? Est-ce que vous trouvez que c'est trop chiant, trop cher, etc. Moi, pour mon avis, je trouve que l'XP pour les potions, donc je parle bien évidemment de l'XP Vanilla, je trouve qu'elle est un peu trop basée sur le shop. Et je trouve pas ça fameux quoi. Vous voyez, moi j'aurais préféré qu'on puisse farmer les fioles d'XP et les poudres de Blaze à la rigueur, à part dans le coffre d'arène, ou que directement les betteraves XP drop de l'XP, mais très peu d'XP, vous voyez. Du coup, pour mes idées, pour régler ça, je pense que c'est soit revenir à l'ancien système où directement ça drop l'XP, mais ça en drop peut-être moins ou moins souvent, ou baisser le prix des enchantements, ce qui pourrait passer. En baissant le prix des enchantements, ça coûterait moins cher au niveau de la thune, etc. Et ce qui serait quand même déjà plus abordable. Du coup, maintenant, il va y avoir un petit concours. Je vais faire gagner des K-Boosts, une Nair, deux K-Boosts, une Nair K, et un full Nair, full Repair. Moi, bon, je n'ai pas de full Repair sur moi. Là, j'ai la flemme d'aller en chercher un. Donc, tout ce qu'il y a dans ma haute barre, vous le gagnerez. Pour ça, il faut être abonné à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu. Et bien évidemment, mettre un commentaire en description en disant « je participe » et sans BG de préférence. Du coup les gars, maintenant je vous laisse avec les clips, donc les pillages, le PVP, etc. Du coup je vous laisse avec l'équipe PVP, pillage, etc. Du coup je vous dis bye, c'était GamerCash, à plus la commu, et bah, bonne fin de vidéo. Yo tout le monde, c'est GamerCash, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Don en présence de Tsugim. Bonjour à tous. Salut à tous, c'est Tsugim. Alors moi, j'ai une famille à nourrir, du coup j'arrête le Nerium. Ouais c'est ça, pas de malin frérot, t'as même pas 17 ans, tu fais fou. Gros, tu veux voir ma carte d'identité ou comment ça se passe? Frérot, tu veux qu'on se tape, c'est ça? Mais la vie gros, vas-y viens. La vie, viens. Donne-moi ça. Carla ne pas toucher. Kali, t'es une. Si. Regarde ce qui est vert, comment c'est marqué. Et du coup, tu vas faire quoi d'autre si tu fais plus de Minecraft, genre? À part, genre. À part ton avenir? J'en ai aucune idée.